la peau là, l'élastique il a sauté, il s'est coincé dans les plaques et il a sauté. Heureusement j'y ai vu tout de suite et je l'ai remis, mais ça m'a fait perdre du temps, j'étais plus au contact des autres quoi. Donc j'ai dû remonter et puis ça m'a... j'ai bien forcé pour remonter ouais. Ça m'a mis un peu dans le jus, ça m'a fait paniquer, mais en vrai je suis bien remontée et heureusement que j'ai un bon coéquipier qui a gratté des places après. Ouais, Louise elle me donne le relais en quatrième place. Je savais que j'avais des bonnes jambes aujourd'hui, j'ai fait l'impasse sur la verticale hier pour ça. Après, les adversaires ils sont forts aussi, j'avais une bonne manip donc à la fin ça s'est bien passé. On a un bon staff qui donne des bons conseils, donc on a pu... gérer ma course avec les conseils qu'ils m'ont donné et du coup ça s'est juste super bien passé et ça me permet de donner le relais à Louise en pole position, c'est cool. C'est une épreuve olympique donc c'est une belle chose, c'est un peu plus long que le sprint, il y a le fait que ce soit à deux et qu'on fasse deux tours chacun, c'est intéressant aussi, il y a vraiment une gestion de toute la course, de la récup au milieu et ouais c'est cool, c'est intéressant. Je suis vraiment contente et moi j'aime bien ce format là et vu que j'avais un bon coéquipier comme je l'ai dit, c'était vraiment cool. Une super journée.